Le Petit Creux, un texte de Pierre Delis, des illustrations de Pierre-Emmanuel Lié, aux éditions Didier Jeunesse. Dans le ventre de sa maman, un ventre rond comme le monde, le bébé attend. Il attend le bon moment pour sortir. Dans le ventre de sa maman, un ventre rond comme le monde, le bébé fait tout ce qu'il a à faire. Il suce son pouce, joue avec sa ficelle, s'amuse à donner des coups de pied pour de faux, à avoir le hoquet, ou encore à appuyer là où il ne faut pas. Ça le fait rigoler, ça l'occupe. Et ses parents, dehors, ça les préoccupe. Dans le ventre de sa maman, un ventre rond comme le monde, le bébé qui est au centre du ventre est donc au centre du monde. C'est pour ça qu'il connaît toutes les histoires, toutes les chansons, tous les secrets. Il sait même tout ce qui s'est passé avant, comme il devine tout ce qui se passera après. Tout ça, ça fait beaucoup pour un bébé. Sauf que... dans tous les ventres de toutes les mamans du monde, à côté de chaque bébé, il y a un ami. Un ami, rien que pour lui. Comme deux petits comploteurs cachés derrière leurs mains, ils rigolent, ils se racontent, ils se chantent, ils se chuchotent. Quoi? Tout. Dans le ventre de sa maman, un ventre rond comme le monde, un jour ou une nuit, arrive le bon moment, le moment où le bébé sait qu'il doit sortir. Tout bientôt, il va pouvoir aller voir le monde, aller rencontrer pour de vrai ceux qui l'attendent dehors depuis si longtemps. Il est content, le bébé, car il va aussi pouvoir parler et dire tout ce qu'il sait. Sauf que... toutes les histoires, toutes les chansons et tout ce qu'il sait sur l'avenir et l'après veulent aussi sortir, tous en même temps, en un seul jaillissement. Tous les mots grimpent d'un coup et se bousculent à l'intérieur du bébé. Et lui, il se retrouve comme un volcan, tout rouge, au bord de l'explosion. Sauf que... c'est à ce moment-là que l'ami pose son doigt tout doucement sous le petit nez du bébé et, en appuyant gentiment, il dit chut. Puis il lui parle tendrement. Ben alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Parler? Tout de suite? Tout dire sans réfléchir? Oh non, ce n'est pas le bon moment. Oui, bien sûr que tu parleras, mais pas maintenant. Tu as le temps. Chut, bébé. Tu sais, tu ne connais pas encore bien ceux qui t'attendent dehors. Et pourtant, tu as déjà commencé à changer leur vie. Quand tu sortiras, vous allez enfin vous rencontrer pour de vrai. Et ce sera le grand chambardement. Eux, ils vont devenir papa et maman. Et toi, tu vas devoir devenir toi-même. Eux, ils ne dormiront plus jamais comme avant. Ils se poseront des milliers de questions, puis ils chercheront des milliers de réponses. Ils feront même des trucs un peu fous, comme venir te réveiller pour voir si tu dors. Et toi, tu voudrais parler et tout leur dire? Oh non, c'est trop. Beaucoup trop pour tout le monde. Chut, bébé, laisse-toi aller. C'est le moment d'en profiter. Et surtout, prends ton temps. En murmurant ces derniers mots, l'ami ôte son doigt dessous le petit nez.
et laisse le bébé s'en aller vers la lumière. À la sortie de tous les ventres de toutes les mamans du monde, quand ils se retrouvent dehors tout éblouis, tous les bébés ont l'air d'être plus vieux, d'être le plus vieux pépé ou la plus vieille mémé du monde. Ils savent tellement de choses. Et parce que c'est plus fort que tout, chaque bébé à peine arrivé veut quand même parler. Il ouvre la bouche, aspire un grand coup d'air et rien ne vient. Juste un ouin. Mais que s'est-il passé? C'est l'ami qui a tout emmené avec lui. Il a emporté tout ce que le bébé savait et il est allé se nicher dans son cœur. Rien n'a disparu. Tout est bien caché pour que le bébé se retrouve comme une belle page blanche où tout est possible. Finalement, c'est mieux ainsi, car tout savoir avant de commencer, ce serait terrible. Sans surprise ni découverte, la vie serait trop triste. Et l'ami? Il est là, pour toujours avec nous, tranquille. Et quand nous nous sentons seuls, quand nous nous sentons tristes, il suffit de penser à lui. As-tu remarqué que nous avons tous, partout dans le monde, un petit creux rigolo juste sous notre nez? C'est notre ami de toujours qui l'a creusé en posant son doigt juste là, en nous disant « chut ». C'est sa marque, son empreinte et notre tout premier cadeau de naissance. Nous sommes tous différents et tous pareils avec notre petit creux sous le nez. À chacun le sien. Un léger pour les silencieux, un plus profond pour les bavards, chez qui l'ami a dû appuyer un tout petit peu plus fort. Si tu veux savoir qui est autour de toi, regarde en dessous des nez, petits ou gros, et tu en sauras un peu plus sur chacun. Venus du centre du monde pour être mis au monde, tous les bébés sont des explorateurs. Alors, bienvenue et bonne route à tous les voyageurs. N'hésitez pas à venir nous retrouver demain au festival Levez l'ancre sur le port de Carnon.